Merci à vous d'honorer ce rendez-vous de partage de bonnes techniques agricoles et de prévisions météorologiques Agrométéo. Cette semaine, il sera question des variétés d'arachides qui résistent aux maladies. Ensemble, nous découvrirons comment ces variétés peuvent vous éviter les pertes dues aux maladies fongiques et aux virus qui attaquent souvent les cultures d'arachides. C'est à travers ce élément. La variété tolérante à la platourcine, c'est il y a la variété Mewpal qui est tolérante à la platourcine et la variété Locré. Alors, euh, ce sont les noms locaux que euh, nous avons adopté avec les producteurs euh, pour que ça soit euh, vraiment facile euh, pour euh, pour eux. Si c'est un nom local, bon, euh, là elle se, elle s'identifie et puis bon, c'est facile pour eux. De la reconnaître. Alors, il y a la variété Yirwatiga, par exemple, qui est une variété également eh, tolérante aux maladies foliaires. Vous voyez C'est-à-dire que, bon, il y a très peu de maladies eh, sur. Eh, C'est-à-dire les maladies foliaires sont généralement les principales maladies de l'arachide. Donc, la variété Yirwatiga est tolérante aux maladies foliaires. Et il y a la variété Nafa également, qui est tolérante à, aux maladies foliaires. Et dès que euh, vous, ces variétés même arrivent à maturité, les feuilles restent vertes. Alors, et, donc c'est très important, euh, par exemple pour euh, les, les éleveurs, parce qu'ils veulent à la fin donc de la culture avoir euh, des fans pour l'alimentation donc de leur euh, bétail. En tout cas, surtout les petits ruminants. Alors. Donc vous voyez que euh, les noms des variétés maintenant, nous faisons tout pour que ce euh, soit des noms, euh, j'allais dire, euh, donnés par les producteurs. Et comme ça, euh, vraiment, euh, ça passe bien et ils peuvent se l'approprier facilement. Effectivement, il y a un certain nombre de maladies et qui affectent l'arachide. Mais c'est essentiellement euh, J'allais dire les maladies foliaires. Qu'est-ce qu'on appelle maladies foliaires Ce sont euh, des taches euh, qui apparaissent sur les feux. Eh? Et, et ces taches-là sont généralement de couleur noire ou bien brun foncé. Et lorsque les taches sont importantes, les, les feux, la feuille jaunit elle tombe. Alors, et donc vous voyez que lorsque la, la plante n'a plus ses feux, ben elle ne peut pas faire normalement la photosynthèse et ça va affecter donc le rendement. Alors donc ces maladies foliaires là eh, qui affectent souvent l'arachide et lorsque elle est sévère, les feux vont tomber très tôt et généralement le producteur pense que dès que les feux tombent, l'arachide est arrivée à maturité. Alors que non, c'est l'effet de la maladie. Vous voyez L'autre maladie aussi qu'il y a, c'est comment dirais-je, la rosette. La rosette, c'est une maladie virale et, qui attaque effectivement donc les plantes. Et la plante terrestre est rabougrie. Alors, elle ne va pas se développer et elle ne va même pas euh, fructifier, elle ne va rien produire. Surtout si elle est attaquée à un stade euh, assez jeune. Là, vous ne récolterez rien du tout. Alors, d'où euh, la nécessité d'avoir des variétés euh, résistantes. Alors, justement, eh, j'ai parlé tantôt des variétés RMP12 et eh, RMP91, RMP qui étaient des variétés de cycle long, mais qui étaient des variétés, qui étaient des variétés eh, résistantes à la rosette. Alors, et, la rosette s'étend généralement dans les zones pluvieuses. Et là où il y a beaucoup d'humidité, alors la rosette aussi est importante. C'est pourquoi la zone sud, la zone ouest euh, euh, était, j'allais dire, le nid donc, de, de cette maladie. Et l'utilisation des variétés à cycle long là permettait effectivement aux producteurs euh, de, 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 de récolter, en tout cas d'éviter cette maladie et de récolter. Mais comme je vous l'ai dit, la, le changement climatique fait que de plus en plus, on ne peut pas vraiment utiliser ces variétés. D'où euh, l'introduction des variétés à cycle un peu court ou intermédiaire. Et, mais nous veillons justement à trouver des variétés, des cycles courts et, et ou, ou intermédiaires qui soient toujours tolérantes à la rosette. Alors la rosette est, est même souvent transmise par les pucerons. Alors euh, nous n'allons pas entrer dans les détails de cela, mais bon, euh, on a en tout cas des variétés qui sont résistantes à la rosette. Pour ce qui est de la rosette, par exemple, dès que vous sentez euh, dans le champ euh, des pieds qui sont rabougris et des pieds et qui n'ont pas du tout le même aspect que les autres, il faut arracher systématiquement. Parce que si vous ne l'arrachez pas, les pissereaux vont piquer ce, ce, ce plant malade et ils vont aller piquer d'autres plantes et ça va se propager. Et donc, généralement, vous voyez, dans le champ, lorsque euh, la rosette se fait de plage en plage et ça s'agrandit. Voyez-vous. Alors, donc. Euh, 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 voilà euh, le, le, le problème de la rosée. Mais en ce qui concerne donc les maladies foliaires, nous privilégions toujours les variétés tolérantes à ces maladies foliaires-là. Euh, parce que euh, ce sont des maladies fongiques euh, où le traitement est très coûteux. Alors, ce qui fait que euh, nous ne recommandons pas du tout l'utilisation des fongicides pour traiter l'arachide parce que non seulement le traitement est coûteux c'est difficile et bon et vu même les rendements qu'il y a ça ne sera pas rentable pour le producteur donc nous avons privilégié beaucoup plus les variétés et tolérantes et donc toutes nos variétés en général que euh, nous sélectionnons ce sont des variétés en tout cas tolérantes maladie foliaire. Euh, la rosette euh, s'attaque pratiquement à tous les stades. C'est-à-dire que déjà euh, à la, au stade floraison, c'est-à-dire euh, bon, même 21 jours après le cimi, ben vous pouvez euh, voir euh, un début de signe de rosette. Mais euh, en général à ce stade, ce n'est pas... On ne le remarque pas très bien. Oui. Alors, lorsque euh, la, 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 la plante euh, et les autres plantes se développent et qu'elles restent, c'est à ce moment qu'on sent qu'il y a la, la, la rosette. Eh? Donc, euh, au stade végétatif, ben, c'est là qu'on remarque vraiment eh, la présence donc, de la rosette. Vous voyez Alors, c'est pourquoi je dis, eh, lorsque c'est se viennent bien en ligne comme ça, eh, c'est facile de voir eh, tout de suite les plantes qui restent rabougries, qui ne se développe pas. Et en ce moment, bien, vous pouvez les arracher systématiquement et, et les mettre hors du champ. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre programme hebdomadaire Canal Agro-Météo vous offre une analyse complète et pointue du climat agricole. Non seulement nous couvrons le bilan pluviométrique des ces derniers jours à l'échelle nationale, mais nous vous fournissons également des prévisions météorologiques précises pour la semaine à venir. En plus de ces données essentielles, nous émettons des alertes ciblées sur les zones en proie à des conditions de sécheresse. Pour un aperçu plus étendu, nous vous présentons également des prévisions mensuelles du 7 septembre au 7 octobre 2023 assorties du Conseil agricole pour optimiser votre rendement. Voici donc le bilan de la semaine passée. La période de précipitation persiste de manière significative à travers notre nation. Entre le mercredi 13 septembre et le mardi 19 septembre 2023, des averses ont été constamment enregistrées sur l'intégralité du territoire, affichant des niveaux allant de 12 à 129 mm de précipitation. Le rejon ki yon subi le plu fort plu, inklu notama Solenzo, Orodara, Banfora, Gawa, Batye, Dyebougou, Bobo Dioulaso, Unde, Boromo, Dano, Leo, Sapui, Po, Manga e Wargay. Dans ces localités, les taux de précipitation ont fluctué entre 61 et 129 mm, marquant une activité pluviométrique particulièrement intense. Voilà pour ce qui concerne le bilan de la semaine écoulée. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence Voici ce que prévoit la météo. Au cours de la semaine à venir, du 20 au 26 septembre 2023, une augmentation relative de l'intensité des précipitations est à prévoir par rapport à la semaine précédente pour certaines régions. Les estimations pluviométriques varieront de 26 à 51 mm sur l'ensemble du territoire national. Les régions de Orodara, Sendou, Banfora, Gawa, Batié, Dibougou, Bobodjoulasso, Undé, Dano, Poimanga seront les plus arrosées affichant des niveaux de pluie oscillant entre 26 et 51 mm, ce qui équivaut à un volume de 260 000 à 510 000 litres d'eau par hectare. Ces conditions météorologiques favorables encourageront la continuation des activités agricoles dans ces localités. Pour des informations plus détaillées concernant les niveaux de précipitations par région, nous vous invitons à télécharger l'application Plainte Village Nourou, disponible sur le Play Store. Entre le 7 septembre et le 7 octobre, une pluviométrie oscillant entre 30 et 183 mm est attendue à travers l'ensemble du territoire national. Les régions d'Orodara, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Sendou, Banfora, Gawa, Batier, Dano, Léo, Sapui, et Poépama bénéficieront particulièrement de ces précipitations avec des apports hydriques estimés en moyenne à 1 217 000 à 1 836 000 litres d'eau sur la durée de ces 30 jours. Si vous êtes agriculteur dans une région où il est prévu des plus faibles cette semaine, pensez à stocker de l'eau dès les premières averses. Ce stockage vous sera utile pour les irrigations manuelles évitant ainsi le dessèchement de vos cultures. Une fois nettoyées, les pompes utilisées pour les traitements phytosanitaires peuvent adapter à cette tâche. Plus largement, nous suggérons à tous les agriculteurs de planter des arbres en périphérie de leur terre. Ces arbres, bien entretenus, peuvent agir comme des barrières naturelles et des brises-vents. Ils aident à protéger contre les nuisances animales et les vents forts. Pour information, nous distribuons actuellement des apps en frais aux agriculteurs de certaines zones du Burkina Faso. C'est tout pour cette semaine. Très bonne continuation de la campagne agricole. C'était votre émission Canal Agro-Météo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. Nous espérons que les informations partagées avec vous aujourd'hui vous aideront à faire de bons choix pour vos productions d'arachides. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant.